Hey, coucou YouTube, c'est Mifa24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue les amis pour la suite de cette aventure sur le jeu de Palworld pour le 16ème épisode. N'oubliez pas, très important, si vous avez envie de me soutenir, le petit pouce bleu de la famille, commentez pour dire ce que vous en pensez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, rejoignez les réseaux sociaux, désactivez Adblock et activez la fameuse petite cloche. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Ok. Bon. Et maintenant du coup, il va falloir qu'on augmente le level de nos pales. Pour rattraper la perte de nos pales qu'on a sacrifié qui était niveau 28, je vous rappelle. Ça fait mal au cœur. Ouais. Donc là, on va s'amuser à taper tout ce qu'il y a aux alentours. On va prendre le téléporteur. On va aller dans une autre zone. On va essayer d'aller dans une zone où éventuellement on peut se faire des pales un peu plus haut level. Je pense vers là-bas là. Ouais, vers là-bas. Je crois qu'ils sont un chouïa plus level, non? Je sais plus. Je crois qu'Akol il m'avait envoyé la carte, il faudrait que je regarde. Ouais, si, regarde. Ah, si. Parfait ça. Je pense que je vais prendre mon petit feu. J'ai peur qu'il les tue. Ouais. Tant que je fasse ça. Ouais, c'est trop tard. Je m'en étais sûr. Trop tard. On était sûr. Les attaques sont monstrueuses quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Touché. Il a touché un peu. J'attends de voir les dégâts de flamme. Sérieux? Oui, sérieux, ok, merci, nice. 3 sur 10, je pensais pas que ça suffirait honnêtement. Oh, un Sparkit là-bas, je t'ai vu! Reviens ici! Ça suffit! Bien joué. Nice. Je reviens ici. Je vais quand même récupérer le loot sur le Sparkit. Pour les organes d'alimentation, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est parfait. Oh le bordel qu'il y a dans mon stock. Oula, il y a Mamores qui est en train de... Oh, il y a deux Mamores qui se tapent. What? Ils sont en train de se taper. Il y a un duel de Mamores. Non. C'est une blague? Ouais, c'est pas une blague hein. Ils s'affrontent réellement. C'est incroyable ça. Wouah, c'est magnifique. Baba, regardez-moi ces statues quoi. C'est de toute beauté. Salut toi le chien. Bien joué. Je suis à deux doigts d'en profiter hein, les amis. Pourquoi j'irai pas les attaquer? Je sais pas si c'est bien ce que je suis en train de faire. Je vais profiter pour récupérer l'XP derrière. Vu que je peux pas les capturer pour l'instant. Mince, je me trompe de touche encore une nouvelle fois. Excusez-moi. Ok, nice. J'aurais pas l'XP du coup parce que c'est pas moi qui l'ai eu. Si. What? Le corps qui se propulse comme ça, what the fuck? Parfait, je récupère en même temps le stuff que tu récupères sur les boss comme ça de pales. Parce que je vous rappelle que vous récupérez pas mal de bonnes choses. Et là c'est ce que je viens littéralement de faire. Donc c'est parfait, c'est good. Je vais regarder un petit peu dans le coffre, par contre j'ai peur de passer à côté de certains pales qu'il doit y avoir ici. Je suis sûr qu'il y en a qui sont dû... Je pense qu'ils ont dû s'enfuir. Prendre aussi le point de TP là-bas et récupérer la petite carte ici. Carte de naufragé. Et il n'y a rien dedans. À première vue, les pales qui étaient indiquées dedans, je les ai déjà découvertes à première vue. Ok. Donc,
On est ici, ça marche. Et le pont amène là-bas. Ben, je vais me rendre tout de suite, au moins on va le découvrir. Ça se passe derrière toi, mon ami. Hein. Parfait. Onde électrique à prise. Nice. On a pris une nouvelle attaque sur... sur notre... Ah, mais attendez. J'ai rien dit. À première vue, ça a pris un peu plus de temps que prévu de débloquer le truc. Ou sinon, je suis passé à côté. Oh, alors là. Alors là, vous m'avez littéralement perdu. je le veux. Je le veux. Attends, non, mais j'ai dû passer à côté, c'est obligé. Non? Ou est-ce que c'est en rapport avec la carte que j'ai ramassée? Ou est-ce que c'est en rapport à ici, là? Attends, non, mais attends, attends. Ah, c'est en rapport à ici. Attends, je te veux, toi. Ah non, mais là, je suis obligé de partir avec ce pal-là. Obligé, hein. Mais là, mais... Vous m'avez perdu. Non, mais il faut pas me mettre des pales comme ça. Il est trop stylé, celui-là. Je le trouve trop beau. Oh, regardez-moi ça! Dicinamoth! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a aussi des rombons qui... Oh là 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 là! Mais tout est ici, on est d'accord. Hein. Mais bien sûr que oui! Mais oui, c'est... Mais oui, bien sûr que c'est ici! Oh là là! Ils sont trop stylés! Ils sont niveau combien? Niveau 20? On va prendre Tanzi, type vol! Tac! Et tac! Je sais pas si je suis un peu trop gourmand, mais je pense que oui. Ouais. Ok. Je pense pas que j'ai les bonnes sphères pour les capturer. De chance. Des pourcents de chance. J'aurais jamais la... C'est impossible. Ah si, je l'ai. Si si. Cher mon spark kit, hein. Il prend extrêmement cher. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu comme moi, quoi. C'est un peu comme moi. Ce que je viens de prendre là, c'est. Ça fait mal. Nice, nice. J'ai peur de sa prochaine attaque. Non, 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 non. Je vais le tuer là. Bon, je les ai les deux, mais le problème c'est que je pense que vous l'avez remarqué, le piaf que je voulais il est juste derrière mon dos en haut. J'ai un peu le seum. Et il y a aussi Brist là. Non, mais c'est dinguerie. Ils sont tous autour de moi. Oh, j'ai le seum. Du coup, Cinnamoth, qu'est-ce qu'ils disent? Prissé. Ces écailles, excusez-moi, procureraient un plaisir incomparable. Des mouvements pour renforcer sa régulation existent, mais les groupes de protection des pales s'y opposent farouchement. Donc on a des écailles mystérieuses. Ils disent en gros que c'est une compétence partenaire. Se tourne vers l'ennemi, visé lorsqu'il est appelé pour l'attaquer avec la puissante compétence nuage toxique. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Par contre, de nouveaux items. Du miel, des graines de laitue et des graines de blé. C'est comme ça qu'on arrive donc à avoir des graines de blé. Ok, ça marche. Par contre, il est énervé lui. Oh là là, pourquoi il m'attaque? Ok. J'ai intérêt de faire attention à lui. Hein. C'est un biome où ils sont assez énervés, j'ai l'impression, les pales ici. Hein. Par contre, là, j'ai one shot. Hein. J'ai mis de sacrés dégâts directs comme ça en pleine face. Il a pas très bien apprécié, je crois. Là, il y a un floppy aussi là-bas.
Je vous rappelle que c'est un type herbe le floppy. Hein. On l'avait appris dans le précédent, précédent live et précédent épisode. Je l'aurais pas. Si. Si, si, c'est bon. Ok, troisième avec coursier, c'est parfait. Il va falloir que j'augmente un peu mon stuff. Il va me falloir la giga protection, je pense. Shit. Wow. Je pourrais pas l'avoir. Je l'aurai jamais. Je l'aurai pas. Bon, je laisse tomber, il me faudra des... Wow. Il va me falloir des méga sphères minimum pour les capturer ou sinon des gigas. Et je les garde sur moi parce que... je me dis qu'on va peut-être passer à côté de quelque chose, je sais pas. Quand je vois les... les pales qu'on a à côté de nous là, c'est très intéressant. C'est ouais. C'est pas mal. Ah, on a la viande de Gelglow. Des graines de blé également, vu qu'on en a récupéré. On a également du miel. Oh là 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 là, on se met bien. Hein. On se met bien, Tintin. C'est fou, mais ce jeu, je le redis, hein, je pense que je serais capable de jouer une journée complète. Même plusieurs jours d'affilée non-stop. C'est d'ailleurs un problème ça. Enfin, un problème, oui et non, parce que c'est bon signe, c'est-à-dire que t'aimes bien le jeu, tu vois. Toi, viens ici, je te veux. C'est écrit quoi là-bas? Ligue pour la protection des pâles adhérents. Ah, c'est ce qu'il disait juste avant. On arrête ça. Viens ici. C'est bon. 4 pâles. Ils sont énervés si je viens ici. Ils ont l'air d'être... Oui. J'ai ma réponse. Oh shit. Ok, ils sont assez énervés. Je pense qu'ils vont me lâcher de mon stuff. Il y a moyen. Je sais pas ce que ça fait ce chasseur aux griffes, je comprends pas. Bien joué ça. Bien joué. Hop là. Reviens ici. Mince, j'ai laissé du stuff par terre. Je vais quand même revenir, on sait jamais. Je me dis que peut-être que ça pourrait être un bon truc. Balles pour pistolet, ouais, heureusement que je suis revenu. Toujours récupérer les balles, c'est toujours utile. Un floppy en haut, encore une nouvelle fois. Bon, là, il y a plein de floppy en vrai. Je vais essayer d'en profiter tant qu'ils dorment. Il m'a mis cher, je l'aurais pas. Oh si, je l'ai. 5 sur 10, parfait. On va essayer de monter en haut. En plus, il y a un coffre juste à côté. Je me dis que peut-être qu'il y aura du bon stuff à l'intérieur. S'il pourrait avoir des méga sphères, ce serait cool. Il va le tuer. Méga sphère. Quand je le dis, c'est que c'est le cas. Parfait. 6 sur 10. On en avait capturé de ça, on est d'accord? Oui, on en avait capturé. C'est vrai, ça veut rien dire monter en haut. Je suis d'accord avec toi. Salut, salut. Ouais, ça va et toi?
J'avoue que ça veut rien dire. il est où? Ah! Briscla, oui, bah si oui, c'est parce qu'ils sont juste à côté de moi. Donc j'y suis. Je vais me faire ceux qui sont à côté là-bas. Let's go. Attention. Oh, il met trop de dégâts. Il va le tuer. Trop de dégâts. Niveau 15, ça passe pas. Hein. Vite, vite! Wow, je sais pas si ça va passer. Hein. Si ça passe. Ouais, il a trop de puissance. Ouais. Et encore, j'ai repris une équipe de pales bas level parce que j'ai fait un tri dans les pales que j'avais. Parce que les compétences n'étaient pas ouf. Je crois que je les ai capturés avec des méga sphères, eux. Hein. Ouais. C'est pas grave. On va les tuer. Est-ce que je testerai pas lui? Vas-y, je vais le tester. Est-ce que je peux capturer avec une sphère classique? C'est trop juste. Ouais, c'est trop juste. Bon, je pense que c'est des méga sphères pour ce type de pal là. Ça sert à rien que je persiste. Au moins, c'est intéressant parce que je vois qu'il y a des pales. Oh, il y a des camps comme ça. Ah, c'est la ligue. Oh, ils vont être énervés parce que j'ai. Ah, ouais, ils vont être énervés. Encore une méga ici. C'est pas ce que je pense là. Je me suis trompé. What, il est trop beau. Je le veux. Je le veux. Je te veux dans mon équipe toi. T'es trop beau. Il va le tuer. Sympa. Non. J'ai envie de pleurer. Non. Magic Gasfer. Je l'ai tiré à côté. Oh non, en plus je n'arrive pas à l'avoir. Oh non, c'est des trucs explosifs. Oh, j'ai le seum, j'ai utilisé 2 gigasphères pour rien. Qu'est-ce qu'ils disent? Un pal très proche des humains qui vit de la chasse dans la forêt. Il semble des... c'est pas comme s'il y avait des niveaux 28 à côté de moi, mais... J'ai le temps de le dire? Ouais, j'ai le temps de le dire. Oh, attendez. Je pense que c'est plus vers le bas, ça. Ouais. Alors, un pal très proche des humains qui vit de la chasse dans la forêt. Il semble découler d'une lignée différente de celle des humains, malgré un ancêtre commun, ce qui pourrait expliquer l'origine des pales. Il a une compétence de partenaire qui s'appelle Œil de Faucon. En combattant à ses côtés, augmente les dégâts infligés par le joueur lorsqu'il attaque un point faible. Ses capacités de travail, assez énormes. C'est semences niveau 1, travaux manuels niveau 2, abattage niveau 1, pharmacie niveau 1, transport niveau 2 et collecte niveau 2. Et également, il donne des graines de blé et des flèches. Wow. Par contre, là, il y a un truc qui m'intéresse, c'est ici. Je vois très bien qu'il y a des pales qui sont enfermées à l'intérieur. Et à mon avis, c'est des pales qui doivent avoir des compétences incroyables. Je sais pas pourquoi, j'ai une impression. Ouais, j'avoue. J'ai peur. Ok, c'est bon. Ah non, il a pas des, il y a pas des compétences incroyables. Hein. C'est juste sadique classique. C'est pas ouf. Je me demande s'il y a pas autre chose cachée dans les toiles de tente. Faut que je regarde. Il est trop stylé ce pal. Hein. Je l'aime bien celui-là. On dirait le diable en personne. On dirait le diable. Bien joué ça.
Eh, ça donne pas mal d'XP ça, hein. Oh là là, attends. Oh, il y a un Grintal ici. Ouais, c'est ça, je regarde. Je le laisse gagner l'XP à fond. C'est exactement ça, ouais. Et surtout, ça lui fait gagner son XP à fond. D'ailleurs, regardez ce qu'il y a en haut là. Il faut que je récupère ça aussi. Allez, allez. Ce biome est vraiment pas mal. Hein. Regardez comme il s'en fiche royalement quand il se fait tirer dessus. Il est en mode tu m'as tiré dessus. Bouge pas toi. Qu'en foutu celui qui refuse de travailler. N'importe quoi. T'en viens ici toi. J'ai l'impression par contre qu'on ne peut pas interagir avec les toiles de tente. On peut pas rentrer à l'intérieur. Ça on peut pas interagir non plus. Là non plus, là non plus, là non plus. Là il y a une sphère ici cachée. Tac. Là, est-ce que je peux interagir avec ça? Il y a un truc à faire? Non, il y a rien du tout. Par contre, il y a des Grintal ici. Intéressant. Le jeu est vraiment pas mal. Hein. Je le dis, je le redis. Hein. Mais peut-être que je me répète. Mais le jeu est vraiment pas mal. Franchement, il est ouf. Non mais regardez. Eh, rien que de faire des structures comme ça, vous trouvez que franchement, ça rajoute... un côté sympatoche, genre je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais je trouve ça trop stylé. Genre des structures en travers comme ça, avec un truc dessus. Genre je trouve ça trop stylé, regardez là-bas aussi, il y a un truc. Et là j'imagine qu'il doit avoir quelque chose en haut. Oui, il y a quelque chose en haut, regardez. Un rayon vert là-bas. Ouais, c'est trop stylé, moi je trouve ça trop bien. Ah ouais, 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 oui t'as raison. C'est vrai, pas bête. Par contre, je suis à court de sphère. Hein. Je vous cache pas que j'en ai lancé vraiment pas mal. Hein. Mais au moins, ça nous a permis... Je pense que lui, là, je peux le capturer. Attendez. Je peux le capturer, lui. Ça passe. Il y a encore des... Faut que je fasse attention. Floppy, je peux le capturer. Il va mettre trop d'attaque, il va le tuer. Voilà, c'est ce qui vient de se passer. On va changer de... type herbe contre type herbe. Comme ça au moins ça mettra pas trop de dégâts. Ça sera parfait. Ah ça va, il met pas trop de dégâts. C'est parfait. J'ai fait exprès de mettre le même type d'herbe, tu vois, genre comme ça moi je suis tranquille. Ça me fera toujours rire cette attaque. Wouh! C'était juste là, c'était juste hein. Je sais pas du tout, bonne question, je sais pas du tout. Oh non, j'ai le seum. C'est le type de pal que je veux capturer, mais je n'ai pas les sphères nécessaires pour le capturer. Par contre, ils sont assez énervés, je pense que vous l'avez remarqué. Ils sont très énervés. Hein. Je vais essayer de le capturer. Il est rapide, hein. Aïe, 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 je me fais attaquer par plusieurs... par plusieurs pales. C'est juste de l'XP, je crois. C'est même sûr. Mais, eh, c'est pas sur moi qu'il faut tirer, mais il est fou, lui. Il a tiré sur moi. Malade. Il est malade lui. Oh non. Par contre là c'est dangereux pour moi, je vais mourir.
me fais un petit peu oublier. Hein. Je fais exprès. Wouah, hey, Sparky, il commence à monter en level là, ça fait plaisir. Je rattrape un petit peu le retard vu que j'ai. Je le redis, hein, j'ai éliminé pas mal de pales dans mon équipe. Vu que j'avais atteint les 10, forcément, mais je vais pas garder les 10. Surtout s'il y en a qui ont des stats complètement moisies. Donc bah il faut les tuer. Voilà, et c'est ce que j'ai fait, je les ai tués, j'ai récupéré pas mal de trucs. Oui. Oh, il fait trop de dégâts. Il fait beaucoup trop de dégâts. On dirait un truc pour un boss. Ok. Bon bah écoutez, de toute façon là ça sert à rien que je persiste dans le sens où je n'ai pas ce qu'il faut pour les capturer. Malheureusement j'ai pas assez de stam avec ce genre de pales là. Ouais c'est le piaf du début ouais. Exactement. J'ai fait la selle comme prévu. Que j'avais dit que je le ferais et je l'ai fait. Attends mais c'est un... Ah c'est ça, c'est un colporteur. Il est entouré de sentinelles. Normalement je risque rien je crois. Ah c'est bon. Oh. Ok. Par contre ça il a plus je crois. Si il a mais c'est 5000. Autodestruction. Ah ça me fait penser à un... On s'est tous compris je crois. Oh, attendez, je suis en train de réfléchir. Je pense qu'il y a moyen que je fasse un tri dans mon inventaire en vendant des choses. Ah, je pense que je vais pas le prendre. C'est trop suicide cette attaque. Mais après, je sais que c'est extrême et ça peut être pas mal. Mais je vais peut-être éviter quand même. Comment on fait déjà? C'est clic droit. Ouais, c'est clic droit. J'en ai trop de cuir à la maison, j'ai trop de graines de blé, j'ai trop de trucs à la maison. Je sais plus quoi en faire à force. Ça parce que le temps que je revienne à la maison, ça va être périmé. Ça pareil, je vais pas prendre. Ouais, vas-y, pas perdre de temps. Ça, je vais peut-être le garder. Bonjour monsieur, vous me rentrez dedans? Allô, allô? Merci. C'est quoi? Des graines de laitue? Oh nice! Ça c'est propre ça par contre. Tac 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 tac. Ça ici en attendant. On a également du miel. Le miel est proposé à 25. Alors attends, si je comprends bien, il y a 25. Et entre parenthèses, 75. J'imagine que il me le rachète à 25. Mais il me le revend à 75. Ça doit être ça. Hein. Ah non, 25 x 3, il calcule directement. Ok, par rapport au nombre d'unités que j'ai sur moi. Ok, ah, j'avais pas compris. Ça c'est bien ça par contre. Ouais c'est ça ouais. Ça c'est bien par contre. En vrai c'est stylé ça. Au moins c'est écrit directement. Il n'y a pas besoin de faire un machin et... Vous voyez ce que je veux dire? Genre faire clic droit et regarder directement. Tu vois il n'y a pas une perte de temps. En général on perd trop de temps sur certains jeux à cause de ça. Le pain je vais le garder. Je le mettrai dans mon sac, je pense en vrai. En fait, je viens de voir qu'il n'y a pas besoin de quitter, il y a l'onglet en haut. J'avais pas fait attention à ça. Qu'est-ce que je fais?
Les deux coûtent 3000, donc ça ferait 6000. Problème, c'est que... Laser chercheur, je comprends pas trop ce que c'est. J'essaie d'imaginer un peu l'attaque. Je pense que ça doit être un gros laser type électrique, rien de plus, rien de moins. Hein. On va le prendre. J'achète. Allez hop, j'ai craqué. Salut! Allez, ciao! Par contre, lui, il est juste là, quoi. C'est parfait, ça. Du coup, est-ce qu'ils récupèrent en plus grande quantité leur truc de main? Attends. C'est quoi cette blague? Non, mais pour où on en est, de toute façon, dans le jeu, j'ai envie de te dire, ça me paraît logique, hein, des grenades à fragmentation. Hein, ce qui est normal, j'ai envie de te dire, quoi. Ok, bon. Normal, quoi. Normal, normal. Tu sais, du moment où tu peux prendre ton pal et l'utiliser comme une grenade, il y a les deux pales, les hérissons d'ailleurs. Les hérissons, pour vous donner une ordre d'idée, pour ceux qui comprennent pas, tu peux t'équiper d'un gant, prendre ton hérisson, le jeter et l'utiliser comme grenade électrique, pour le type électrique, et pour le type glace, c'est une grenade à glace. Normal, normal, c'est. Non, mais c'est normal. Donc là, on a le portail en pierre, et par contre, on a un ensemble d'horloges. C'est de la décorative, ça donne pas l'heure. C'est juste de la déco, les amis. Et là, on a d'ailleurs le lance-fer à un coup, pour ceux qui ne comprennent pas aussi. Ouais, normal, j'ai envie de te dire, quoi. Franchement, je suis trop curieux, j'ai envie d'aller voir. Je vais me faire un café, je reviens. Et on va se faire la grotte. Enfin, c'est pas une grotte, c'est une sorte de mine. On va se le faire, ok? Je me fais un café, j'arrive, j'en ai pas pour longtemps. J'en ai pour 2 minutes. Hop là, re les amis. Il nous faut un emoji coffee time. T'as tellement raison en vrai. Faut que je le fasse, ça. Hop, alors attendez, juste un truc. Histoire d'être tranquille, qu'on m'embête pas après. Ok, parfait. Allez, c'est parti. Oh, par contre, il commence à faire. Là. Ouais. Est-ce que j'ai une torche? Oula, mais il faut que je fasse extrêmement attention, par contre. Hein. J'ai plus de. Très utile dans la région froide. Je pense qu'on va le prendre. Tac. Là, il va faire très sombre. Il faut que je regarde si j'ai pas une torche. Normalement, j'ai une torche, non? Elle est où ma torche? Elle est là. Comment on va faire? Parce que mes outils sont cassés aussi. Ok. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que la torche je la prenais dans la main, qu'elle était déjà cassée. J'ai dit non mais attends, c'est une blague. Non mais attends. Ok. Par contre, c'est super bien fait. Hein. En fait. Alors, comment vous expliquer? Je fais une récap. Tout à l'heure, j'ai fait un tri de mes pales. Les pales que j'avais au level dans mon équipe, c'était des pales qui avaient des compétences merdiques. Du coup, je les ai tuées. Je n'avais pas le choix. D'accord? Le problème, j'ai pris des pales qui sont sur moi avec des compétences incroyables. Le problème, c'est qu'ils sont bas level. C'est un contrebandier. What? Contrebandier. Vous me connaissez, hein. Je pense qu'il y en a, ils vont capter, hein, ce que je vais faire. Je vais l'affronter, hein. Vous me connaissez pas, hein. Je vais le faire. Moi, le challenge, j'adore ça, le challenge. J'adore ça. On commence par quoi, Alors, attendez. Salut! Ça va? T'es gentil? Dis-moi que t'es gentil. Oh mais il est gentil! Oh! Tout est bon pour le business. Pas volé? Braconné. Vas-y, jette un oeil. Oh, c'est une dinguerie. Par contre, le problème, alors lui, ou plutôt elle, elle est pas mal. Parce que, comme vous pouvez voir, elle a la compétence passive de corps robuste. Donc, elle est en or, c'est vraiment pas mal. Là, c'est pas ouf. Là, c'est nul.
parce que c'est glouton, mais dans le côté inverse, c'est pas bon du tout. Là par contre on a Lunari, tueur de dragon, c'est pas ouf non plus. Mais là par contre, je suis désolé mais corps robuste, c'est... On est d'accord quoi, genre c'est pas mal. C'est pas mal. Oh mais attends, mais j'avais pas capté. Non, me dites pas ça. Oh, j'ai envie de pleurer. De toute façon, je pouvais pas le savoir parce que j'ai jamais fait d'interaction comme ça. Je ne pouvais pas savoir. Ah, mais ça, je ne pouvais pas le savoir. Comme vous le savez, je me spoil pas. Et je ne suis jamais tombé sur lui. Donc, ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Tu sais pourquoi ? Voilà pourquoi. N'oublie pas que j'ai fait un... J'ai fait pas mal de captures et... Le problème c'est que... Alors il y a des trucs, ça vaut pas grand chose. Mais ça peut me permettre de faire le tri. Ouais mais c'est pas grave en vrai. En vrai c'est pas grave, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai récupéré toutes les ressources sur eux. Et en vrai, je suis très très bien à la maison. Genre, j'ai toutes les ressources nécessaires. Par contre, il manque juste le métal. Qu'il faut que je refarme un petit peu, tu vois. Mais en vrai, c'est pas si grave que ça. Ouais, l'estomac sans fond, ouais, c'est ça. On les a 10 sur 10, on est d'accord. Hein. On les a tous capturés. Hein. Tac. Par contre là, nutritionniste, stratège de forteresse, appliqué. Ça en vend. Estomac sans fond et acharné. Alors acharné c'est bien un mal, on est bien d'accord. Là c'est un mal aussi. Là c'est un mal aussi. Là c'est un mal aussi. Ah quelle tristesse. Faut que je garde une femelle qui soit pas dégueu. Mais je pense que je vais garder celui-là. Puis celui-là, j'ai envie de vous dire. Tac. Ceux-là, on va les garder. Justement, je garde la femelle. Il faut toujours une femelle. Je les ai triés. Alors là, vous savez que je suis en train de réfléchir à un truc. Je me dis qu'en fin de compte, par la suite, parce qu'à mon avis, il va y avoir des pales où je vais devoir les acheter. Je me pose la question si je devrais pas commencer à faire une ferme à sous. Pour ceux qui ne comprennent pas, il y a un pal qui s'appelle Mo. Et en gros, quand tu as une ferme, tu mets des mots dedans et eux, ils farment des pièces d'or. Non, j'ai plein de femelles avec des bonus. Hein. Non, au contraire. J'ai des femelles, je sais plus dans quelle espèce. J'ai des stats de malade. Regarde. Il y en a, j'ai des stats de malade. Je sais plus lequel c'est là. Il y en a un, mais j'ai vraiment eu de la chance. Ah, c'est parce que je retiens pas. J'ai tellement fait le tri tout à l'heure. Tu verrais le temps que j'ai perdu. J'ai passé au moins plus de 40 minutes à tuer des pales. Par contre, on sait qu'il est là, lui. Là, c'est intéressant. Par contre, il n'y a pas des stuffs cachés quelque part ? Non ? Non. Alors, moi, on m'a toujours dit qu'il y a moyen de les capturer. C'est ce qu'on m'a dit de faire, mais on verra ça plus tard.